comme il la nomme. Ah ouais, c'est... ça fait drôle. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Ça va? De le voir en vrai, bonjour, ça fait enchanté. Drôle, ouais. Juste un truc de malade. Ouais, j'ai bien passé. Bah, on l'imagine en short et en maillot, là. On se revoit tout gamin devant la télé, là. Hey, c'est comme dans les films, c'est. Quand PMU est venu me solliciter de son idée, de son projet, j'ai accepté, tout simplement parce que le football amateur, c'est là où j'ai commencé le football, c'est là où je l'ai appris, c'est-à-dire avec mon petit club de quartier, le S Saint-Anne de Reims. Il joue Robert ? Bah avec Ligue UG. Attends, man. Hey, ça fait du personne à défendre. Pour l'instant, on est miné. Il reste une petite mi-temps. C'est pas mal. Il y a des bons petits joueurs. Bon, les conditions, quand je parle des conditions, c'est le terrain. Le terrain est un peu pourri. Mais bon, c'est comme ça qu'on a pris le football. Donc, on s'adapte. Qu'on allait gagner. C'est quoi le résultat final? 7-4 pour les Blancs. Voilà, on est venu à l'extérieur. On vient s'imposer chez les Anglais, c'est parfait. Là, je navigue un peu entre tous les clubs amateurs en ce moment. On a fait le tour de la France. Les clubs sont contents de moi, apparemment. Je leur apporte un peu de technique, un peu de qualité. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on gagne à chaque fois, un petit peu comme aujourd'hui face aux Anglais. Donc, ouais, ça va, ça se passe bien avec les amateurs. Une journée extraordinaire quoi, on sait pas trop où on est en fait quoi. C'est un peu plus dur ce matin, voilà. Et puis donc aujourd'hui on a une grosse journée là. On va aller donc faire un tour à l'Emirates ce matin. Et puis cet après-midi on ira donc voir le match entre Chelsea et Everton. Donc on est en direct de l'Emirates Stadium, on veut récupérer les premières impressions du capitaine Adrien Texier. Donc on va lui demander comment ça se passe depuis le début. Bah c'est magique, il n'y a pas de mots, c'est un peu comme tous les stades anglais, c'est magique.
Richmond.